voilà, impec. Impec. Ah, le live là, il est top. Allez, allez, ah, retourne. Oh, les mains sont encore plus gelées. Grave. Ils sont énormissimes, quoi. Ah, oh, super. Bien le live quand même, hein. Ah non, oh, je suis gelé. Oh, moi aussi, putain. Je sens plus mes mains. Maintenant, on remet ça. Hein. Avec 4 degrés. Putain. C'est ma matus énorme comme ça, avec 4 degrés, quoi. Ouais. Putain, regarde devant. Bon, on a dit que c'est ma matus là, on va faire le buzz ce soir. Yeah. C'est pas ma mamie là, qu'il faut dire, c'est ma matus. Il était dans le coffre. Ah ouais, peut-être, ouais. Là, il est branché ici. Oh. Il n'est pas inondé comme ça tout à l'heure. Non. On les voyait arriver à l'arrière, mais ça s'est vraiment développé. Ça, c'est comme quoi la ligne, elle est quand même sur le déclin. Ouais. Mais putain, c'est beau. Bon, ben maintenant, on va voir s'il y a d'éventuels dégâts. Parce qu'il y a une sacrée rafale là-dessous, quand même. Quand tu roules la voiture comme ça.
pas du tout. Moi avant quand j'avais mon GPS, tu te rappelles, je le gardais en plein milieu de... Je le mettais ici. Donc il n'y a pas de problème. Ça, je sais pas, la neige. J'étais tenté de les envoyer, je voulais l'envoyer, j'ai oublié d'envoyer au Guillaume. Je lui ai dit, ah tiens, un chasseur de neige. Comme ça, il l'enverrait. Au... Là, sur, on va faire le buzz, là. On va buzzer tout le monde. Si on n'était pas assez connu, c'est une poubelle. Ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une université. Putain, la vache, mais il est carrément tombé. Apparemment, le pire est à venir. Comment ça? Bah, demain. Hein. Ah, demain, ouais. Faut pas que ça tienne, quoi. Ouais. Ouais. Si, et après, je me fais tant. Ouais, non, mais ça, c'est con. Déjà, hier ou avant-hier, j'ai gueulé après un mec qui traversait en plein milieu de la route. Mais ça fera. Toi, t'as un problème de réseau à cause de ce qu'ils font là-bas. Ils essayent. Ils font des travaux sur l'internet. Ah, ça là? Ouais. On espère que notre débit à la maison va augmenter parce que.